Surprise plutôt agréable, c'est mardi à la mi-journée pour la population du district de la Tchangou par la visite du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est sous une pluie battante que le chef de l'État a visité le marché de la Liberté situé sur l'avenue Lumumba dans la commune de Massina, dont une partie a été tout récemment ravagée par un incendie dont l'origine reste non élucidée. En bon père de la nation, Félix-Antoine Tshisekedi n'a pas fait sourde oreille aux cris de détresse des marchands de cet espace de commerce victime de cet incendie. Hey, papa, bisokutu, toza étonné mon konsinangai que président de la République ait rekota na kati ya marché na komuna oyo événement salami par rapport ya oyo et salema et liboso. Tomona ta mukonzi mokote ni ministre ni député national ni député provincial. Papa, Ndialboso Zambe Amonayo et Longope Namukunzi Biso Oazana Zan. Il est descendu sur le lieu pour s'enquérir personnellement de la situation. Plusieurs étalages et pavillons ont pris feu, les marchandises emportées en fumée. Le garant de la nation a attentivement prêté son oreille aux doléances exprimées par le vendeur ayant perdu leurs biens. Le premier d'entre les Congolais a aussitôt ordonné le démarrage dans un bref délai des travaux de réhabilitation des pavillons et étalages touchés par l'incendie, mais aussi des modifications sensibles pour éviter pareille situation à l'avenir. Il a insisté sur la sécurité qui doit être renforcé en vue de traquer les pyromanes potentiels. Dans la suite du chef de l'État, on a noté également la présence du gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentil Ngobi Lambaka, du commandant de la police nationale de la ville de Kinshasa, Silvano Kasongo, du ministre du Budget, Aimé Boji, du ministre des Finances, Nicolas Kazadi, du bourgmestre de la commune de Massina, ainsi que d'autres personnalités.